Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La République du Congo lance un programme vacances pour la jeunesse du pays. Une initiative pour plus de 450 jeunes venus de 12 départements congolais. Au programme des jeux, du sport, mais également des travaux communautaires. Le virus Ebola continue de progresser en Afrique de l'Ouest. Le Nigeria, pays le moins touché, a confirmé 4 cas mortels. Ces cas sont concentrés pour l'heure à Lagos, la capitale économique. Mais les autorités se mobilisent pour limiter sa propagation. Et direction le Mali, où le Bazin est connu pour être un tissu de mode. Nous verrons que certains artistes plasticiens ont eu l'idée de le détourner pour en faire des œuvres d'art. Mais avant de développer ces titres, explosion d'une mine en Casamance au Sénégal, 7 personnes ont été tuées et 3 grièvement blessées. Rappelons que le gouvernement sénégalais et la rébellion indépendantiste du mouvement des forces démocratiques de Casamance divergent sur le déminage de la Casamance. Une région où étaient posées de nombreuses mines depuis le début du conflit en décembre 1982. Consolider l'unité nationale en passant par la jeunesse, c'est l'objectif que s'est donné le gouvernement de la République du Congo. En cette période estivale, plusieurs enfants de la région de la Lékoumou ont pu partir en colonie grâce à une initiative de l'État. Un reportage de Prince Bafolo, notre correspondant au Congo, commentaire Khadija Spar. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique du Congo lutte contre l'oisiveté juvénile et encourage l'unité nationale et africaine. Il organise à Sibiti, dans le département de la Lékoumou, une colonie de vacances pour les enfants de 0 à 16 ans. Près de 350 millions de francs CFA sont dégagés pour ce projet. Ici, les enfants s'adonnent aux jeux et suivent quelques formations. L'État crée donc le cadre pour donner la possibilité à tous les enfants du Congo de passer au moins une fois dans leur vie des vacances en dehors de leur cercle familial. Ça permet de consolider l'unité nationale parce que aussi longtemps qu'ils seront ensemble, ils réaliseront qu'ils ne sont pas différents les uns et les autres, mais ils se toléreront chacun avec sa différence. Une notion déjà perçue par certains participants de la colonie de vacances. Je voyais les autres avec une vision différente. Mais après cette expérience, je constate que nous sommes tous pareils. Il n'y a pas de différence nord, sud, ouest. Nous sommes tous congolais et pour moi, c'est ce qui compte. Quoi. Au total, 450 jeunes participent à ce programme. Pour les chantiers de vacances, les participants sont âgés de 16 à 32 ans. Ils viennent des 12 départements du Congo, du Cameroun, du Gabon et de la France. Il s'agit de participer aux activités d'intérêt communautaire, réhabilitation d'édifices publics, travaux de peinture, construction et assainissement, comme ici à Sibiti. J'ai appris énormément de la culture congolaise. J'ai appris également à savoir vivre à l'extérieur du pays. Donc c'est un peu cet ensemble d'expériences que moi, une fois de retour dans mon pays, je vais essayer de partager à l'ensemble des jeunes qui m'entourent. Ouvert le 30 juillet dernier, la colonie de vacances et le chantier ferment leurs portes ce lundi. Selon le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, l'État congolais va préparer la rentrée scolaire de tous les participants. Dans l'actualité également, libération d'otages au Nigeria. Des soldats tchadiens ont libéré 85 otages de Boko Haram, enlevés il y a 7 jours au nord-est du Nigeria. Plus de 30 otages seraient toujours aux mains des insurgés islamistes. Notons que le groupe islamiste mène depuis 2009 une insurrection sanglante qui a fait des milliers de morts, et ce, en dépit des renforts militaires mobilisés. Quel est donc le rôle tenu par les soldats tchadiens dans la lutte contre le groupe terroriste? Élément de réponse avec notre éditorialiste Lucien Pambou. Cette libération montre que l'armée tchadienne est une armée relativement aguerrie. Aguerrie dans la mesure où elle connaît à la fois les lieux, elle connaît le combat aussi bien dans le désert, dans la forêt que dans la plaine. C'est une armée de métier, c'est une armée qui, par rapport aux autres armées, où la stratégie et la tactique jouent un rôle très important. Il faut que la coopération dans la lutte contre Boko Haram s'organise de façon collective. L'armée tchadienne a peut-être réussi là, où d'autres armées n'auraient pas pu réussir, mais la lutte contre Boko Haram et surtout contre le terrorisme nécessite un travail
collectif dans lequel l'armée tchadienne peut jouer le fer de lance. Et au-delà de la situation sécuritaire, la situation sanitaire est en état d'alerte au Nigeria. Les cas d'Ebola se multiplient dans le pays. Plusieurs personnes sont décédées ces derniers jours. Des dispositions sont prises dans les hôpitaux pour limiter la propagation du virus. Les précisions d'Aminata Diak. Au Nigeria, l'inquiétude monte avec la progression de l'épidémie d'Ebola dans le pays. Ces dernières 48 heures, 4 cas mortels ont été confirmés par le ministère de la Santé. À Lagos, la capitale économique, les hôpitaux publics sont en alerte. 8 nouvelles personnes infectées par le virus sont isolées et soignées. Certains de leurs proches sont également pris en charge. Nous pensons que le gouvernement est débordé. Il ne peut pas résoudre le problème tout seul et c'est pourquoi nous n'avons pas d'autre choix que de demander de l'aide à la communauté internationale. Il faut qu'il y ait un traitement de base. Si nous abandonnons les malades, ils mourront. Je suis désolée de le dire, ils mourront un par un. Il faut qu'on les soigne, ce sont des êtres humains. Les autorités de l'État de Lagos n'ont pas tardé à réagir. Cependant, elles sont confrontées à un manque de personnel médical pouvant intervenir dans les hôpitaux. Nous ne nous attendions pas à faire face à l'épidémie. C'est quelque chose que nous n'avions pas prévu. C'est un véritable défi de trouver des gens suffisamment informés et compétents. Nous encourageons les personnes qui se sont portées volontaires pour aider dans les hôpitaux. Nous saluons leur courage. Malgré cet élan de solidarité, la situation reste inchangée. Il nous manque toujours du personnel. Même si les volontaires affluent, il reste encore de nombreux problèmes à résoudre, notamment celle de leur formation et leur déploiement sur le terrain qui dure entre 5 et 7 jours. Culture à présent au Mali, comme un peu partout en Afrique, le bazin est connu comme un tissu de mode. Aujourd'hui, des artistes plasticiens maliens veulent en faire un objet d'art à part entière. Un reportage d'Idrissa Sangaré, notre correspondant au Mali. Si le bazin connaît un succès fou dans le domaine de la mode en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, de plus en plus de plasticiens sont attirés par le tissu. Des artistes maliens et belges se sont penchés sur le bazin pour réaliser des œuvres d'art. Un travail de recherche pour ces plasticiens qui détournent la matière pour en faire des supports d'œuvres d'art. Déjà utilisés comme supports décoratifs, ces artistes veulent en faire un médium pour faire passer des messages. Les femmes qui étaient venues en bazin, elles étaient très étonnées. D'abord, elles portaient des bazins de couleurs traditionnelles. Et quand elles ont vu ça, que nous on a fait sortir ça du bazin, elles étaient vraiment très étonnées de voir ça. Donc maintenant, avec ça, on peut faire des œuvres d'art, on peut faire les designs du salon, ainsi de suite. On peut faire plein de choses avec le bazin, que ça ne soit pas des trucs traditionnels qu'on a depuis très longtemps. Une première pour ces artistes qui ont un regard critique sur la société. Beaucoup d'entre eux étaient sceptiques et ont beaucoup hésité à prendre part au projet. Primo, je suis allé chez les teinturiers, j'ai dit « oubliez les palmarès que vous avez sur moi ». Je suis venu m'adapter sur votre médium. Je ne vais pas travailler comme vous, mais je vais détourner seulement les objets. Ils ont l'habitude de faire leur batik avec des moules très bien tracés. Moi, j'ai dit, je vais détourner les objets. Et c'est ce que j'ai fait. C'était une phase de recherche et le résultat est là. Au bout de ces recherches, les artistes souhaitent partager avec les professionnels du secteur afin de les apporter une nouvelle vision au développement du métier. Pour certains professionnels, cette nouvelle technique peut contribuer à réduire l'utilisation de produits chimiques et sauvegarder ainsi l'environnement. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.